Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Comme tous les mercredis soirs, un nouveau défi et aujourd'hui un défi exceptionnel puisque c'est le défi du Red Bull. Il vous faudra un grand verre d'eau, de la limonade, 3 oranges et environ une quinzaine de fraises Tagada. Après avoir bien nettoyé vos oranges, on va enlever la peau. Donc vous prenez un couteau et vous allez tout simplement faire le contour de l'orange. Et ce qui est très important, c'est d'avoir la peau comme ceci. On va faire ça pour toutes les oranges. Vous allez mettre ensuite les peaux d'orange à chauffer avec l'eau. Et là, vous allez laisser bien infuser pendant environ une dizaine de minutes. On va maintenant enlever les peaux d'orange et passer un petit coup d'eau à la passette si jamais il y a des petits morceaux de pulpe. Et ensuite, vous allez ajouter vos fraises Tagada. Et on laisse ça comme ça pendant environ 5 minutes. Et vous allez bien mélanger. Et dès que tous les bonbons auront bien fondu, et ben on laissera refroidir notre préparation à température ambiante. Après que notre préparation à Red Bull soit bien à température ambiante, vous allez mettre une dose dans le verre. Donc c'est environ deux fois la dose d'un sirop classique. Et on va venir compléter avec la limonade. Donc voilà le résultat. Il y a une très belle couleur. Ça donne franchement envie. Et je vais passer directement à la dégustation. Ça y est les amis, la dégustation. Franchement incroyable, une grosse tuerie pour ma part. Je trouve que c'est vraiment une réussite, franchement délicieux. N'hésitez pas à tester cette recette, franchement je vous le conseille parce que c'est un truc de dingue. Niveau du goût, c'est vraiment pas mal du tout vu qu'on a ce petit côté bonbon avec les fraises Tagada et puis un petit peu d'amertume, j'ai envie de dire, mais très légère grâce à la peau d'orange. Et puis si vous voulez plus d'énergie dans votre boisson, vous pouvez rajouter de la caféine en poudre et même de la taurine. Sachez que ça peut s'acheter sur internet, après à vous de voir si vous en voulez ou pas. N'hésitez pas à tester la recette chez vous car franchement c'est vraiment très très simple. Et puis vous pouvez vous faire des grandes quantités que vous laissez en bouteille, donc ça vous fera du sirop de Red Bull maison. Et puis comme ça vous allez pouvoir me dire si oui ou non j'ai réussi ce défi. Si c'est le cas, bah vous pouvez me le dire dans les commentaires, me mettre un petit pouce vert et bien sûr m'envoyer plein d'autres demandes avec le hashtag FastGoodDéfi. Et bien sûr vous pouvez, on te voit. Vous pouvez cliquer sur moi pour vous abonner et n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve dès vendredi soir pour une nouvelle recette et sur ce, ciao ciao!